Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées, toujours prête. Bonjour Roselia, devine qui va t'offrir un bon petit courant d'air. Oh, je te remercie Vidia. Oh, bravo Ondine, c'est vraiment grandiose. Tu es ma meilleure amie. Oh Vidia, tu viens à la crique avec nous? Bien sûr Clochette, je t'en prie, laisse-moi porter l'ombrelle. D'accord, je t'appelle dès qu'on est prête. Ouh, oh, ce sera vraiment méga mirifique. Quel épouvantable cauchemar. Oh Vidia, tu viens à la crique avec nous? La crique? Je veux bien. Mais c'est toi qui portes l'ombrelle. Ce sera vraiment méga mirifique. À bientôt pour un nouvel épisode de Trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. C'est du gâteau. Rayon de miel, tout chaud, tout frais, rayon de miel du jour. Oh, des rayons de miel. Des rayons de miel du jour. J'en veux aussi. En avant. Des rayons de miel. C'est ce que je préfère. Clochette, Clochette, des rayons de miel frais. Viens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh. Voilà, Noah. Tu es arrivé trop tard. Heureusement que j'en ai pris un pour toi. Je t'en ai gardé un aussi. Moi aussi. Moi aussi. À bientôt pour un nouvel épisode de Trophée. Bienvenue pour un nouveau trophée. Comment je m'entraîne pour le tournoi des fées? Plus vite que la vitesse du son. Voilà comment je m'entraîne. À bientôt pour un nouveau trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. Retrouve comment faire une bataille de boules de neige. Oh, un flocon de neige. Oh, il est magnifique. Aïe. Vous voilà invité à participer à votre première bataille de boules de neige. Oh, les fées de l'hiver ont envie de jouer. Si vous acceptez, lancez doucement une boule de neige à votre tour. Et le jeu commence dans la joie et la bonne humeur. Abritez-vous! La bataille de boules de neige est un jeu improvisé sans règles contraignantes. Provoquer les fées de l'hiver sur leur propre terrain. On est tombé sur la tête ou quoi? Ah, j'ai un plan. Couvrez-moi, à vos ordres. C'est un jeu familial et sans aucun danger. J'adore l'odeur des boules de neige au petit matin. On n'en sortira pas intact. Oh, je voudrais que ça s'arrête. Quand tout paraît perdu, n'oubliez pas. Il n'y a pas de honte à baisser les bras. Vous pouvez même proposer à votre adversaire une bonne tasse de chocolat chaud. Trop grosse? C'est la meilleure bataille de boules de neige de tous les temps! Oui! Si on jouait au bowling! À bientôt pour un nouveau trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. Comment faire un bonhomme de neige? Depuis que la neige tombe sur la terre, c'est le symbole incontournable de la fin d'année. Oui, c'est lui qui, en hiver, nous réchauffe le cœur. Le bonhomme de neige, toujours aussi souriant. On m'a jamais appris à faire un bonhomme de neige. Oh, applique-toi, Clark. Fais comme les fées de l'hiver. Oh,
Oui, essaie encore. Et cette fois, il suffit de te lancer dedans à fond. T'as raison, vous allez voir ce que vous allez voir. Pour la base de votre bonhomme de neige, commencez par faire une petite boule de neige et faites-la rouler tout doucement sur le sol. En roulant, le diamètre de la boule augmentera peu à peu. Je n'ai jamais fait de luge, alors ne pousse pas trop fort. Ensuite, faites une boule un peu plus petite pour le torse de votre bonhomme de neige. En avant, dépêchez-vous. On fait ce qu'on peut. Voilà, je suis prête à descendre. Moi aussi. Il ne reste plus que la boule finale, autrement dit, la tête, dont l'expression joviale devrait refléter la bonne humeur du bonhomme de neige. Quand vos trois boules sont prêtes, posez-les délicatement l'une sur l'autre en ordre décroissant. Et voilà le travail! Votre bonhomme de neige est terminé. Oh, félicitations, Clark! Mais comment as-tu... J'ai fait comme t'as dit. Je me suis vraiment lancé dedans à fond. À bientôt pour un nouveau trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la Vallée des Fées. Comment faire du patin à glace? Le patin à glace consiste à se tenir en équilibre sur une lame très étroite. Pratiqué par un champion, ça semble un jeu d'enfant. Mais ce n'en est pas un. Les fées de l'hiver m'ont pourtant dit que c'était facile. Est-ce que tout va bien, mon trésor? Oh, fée Marie, vous patinez aussi? Oh, disons que j'ai envie de m'amuser un peu. Faites bien attention, c'est plus dur qu'on ne croit. Oh, j'en suis consciente. Les débutants devraient commencer par les figures les plus simples et les plus élémentaires. J'ai dit les plus élémentaires. Un chassé croisé, si vous êtes téméraire, mais rien de plus. Très bien. Admettons que vous ayez déjà brisé la glace. Sachez toutefois que ce n'est pas une raison suffisante pour tenter un quadruple axel. Une triple boucle. Je ne connais même pas le nom de cette figure. Je n'ai jamais vu ça. Pirouette sautée, ciseaux, spirale de la mort. Quel enchaînement. C'est incroyable. Je la connais. Et voilà comment on fait du patin à glace. Vous êtes une vraie championne. Oh, ce n'était que mon échauffement. À bientôt pour un nouveau trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la Vallée des Fées. Comment faire de la luge? Au cœur de l'hiver, peu de loisirs sont plus agréables qu'une charmante promenade en luge entre amis. Merci, fée de l'hiver, de nous avoir invités sur une de vos... choses-trucs, là. On se voit en bas, amusez-vous bien. Le débutant devrait avoir la sagesse de s'en tenir aux pentes douces, du moins dans un premier temps. Oh, trop raide, beaucoup trop raide. Les filles... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Durant cette douce descente, détendez-vous et profitez du paysage. Dès que la luge s'élance, il est vital de toujours regarder droit devant. Et pour votre sécurité, vous devez rester assis durant tout le trajet. Pour arrêter la luge, contentez-vous de faire pression en laissant vos pieds frôler délicatement le sol. Et savourez l'instant en inspirant à fond l'air vivifiant de l'hiver. Les luges ne sont pas réservées aux sports d'hiver extrêmes. Pour l'amateur qui aime prendre son temps, la luge est source de joie, de sourire et de détente. Félicitations, vous venez de réussir votre voyage inaugural. C'est bon, on est en bas? Tu plaisantes, j'espère. On n'est qu'à mi-chemin. À mi-chemin? À bientôt pour un nouveau trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la Vallée des Fées.
À bientôt pour un nouveau trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. De toutes les couleurs. Oh Clochette, ta palette de couleurs pour les feuilles d'automne est exceptionnelle. Oui, radieuse et lumineuse. Mais où est le rouge? Oh oui, c'est vrai. Il faut absolument du rouge en automne. Très bien. Magnifique, Clochette, absolument magistrale. Mais ça n'est pas ce qu'il me faut. Oh, il faut peut-être ajouter du bleu. Bonne idée. C'est ce que tu appelles une couleur? Je sais, de la coccinelle et une touche d'écureuil. Moi, je préfère le bleu cascade. Oh, 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 des pétales de rose et quelques bourgeons. Ça vient, ce rouge. À bientôt pour un nouvel épisode de Trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. Vol de nuit. Clochette, tu as bien attaché la jarre de poussière de fée. S'il arrive quoi que ce soit... Dis calme, Iridessa. On connaît la route par cœur et on a ton rayon de lune pour nous éclairer. Bien sûr, mais Terence m'a dit qu'on devait faire... Ce véhicule de transport est sûrement ma plus grande création. Ne t'en fais pas, la cargaison de poussière ne craint rien. On ne risque pas de la perdre avant d'arriver à destination. Chercher le filet, comme d'habitude. À bientôt pour un nouvel épisode de Trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. Gob Mouche. Garde à vous, mes champions. Mon travail, c'est de vous remettre en forme pour le prochain tournoi des fées. Je veux être fière de vous. Vous serez les meilleurs des meilleurs. On vous a choisi parce qu'une seule chose vous importe plus que tout au monde. Gagner. Et pas question de faire les mêmes bêtises que l'an dernier avec les insectes péteurs. Alors, ayez un comportement irréprochable. Plus que toutes les grenouilles de la vallée des fées, vous savez ce qu'est la discipline. La discipline. Et je ne me répéterai pas. Est-ce que c'est clair? Oh, j'abandonne. Repos. À bientôt pour un nouvel épisode de Trophée. Et maintenant, place à un épisode de Trophée. Découvre les aventures de la fée Clochette et ses amis dans la vallée des fées. Pas si simple. Vidia, tu pourrais t'entraîner ailleurs pour le tournoi. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, je t'en prie, Clochette. Je m'entraîne pour gagner. Oh.
À bientôt pour un nouvel épisode de Trophée.